Jodia, nous pouvons parler de planétologie comparative. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Moi, content là avec nous Jodia pour nous faire parler sous science astronomie. Si vous n'avez pas de faire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater l'autre épisode. Pas oublier, liker et partager avec l'autre pour nous connaître qui est intéressé à l'astronomie en Haïti. Poche pi près pour tendre à quoi ça nous porte pour aujourd'hui. Les opérations sont bagay qui complexes. Plutôt commencer prendre en gros avant d'entrer dans les détails. C'est même gens astronomes fait pour planète qui dans système solaire noir. Avant en l'en détail chaque planète, yo garde d'abord ça qui fait ressembler ou pas sembler une à l'autre. C'est ça yo les planétologie comparative. Nous allons examiner sept propriétés que nous avons retrouvées en principe dans chaque huit planètes et c'est ça qui peut permettre de nous classer ou soit grouper selon propriété. Première propriété que nous avons dans quatre planétologies comparatives, c'est orbite. Orbite planète, c'est pour les bagages classiquement astronomiques évalués. C'est comme ça que nous confirmons toutes huit planètes sans exception à orbiter autour du Soleil dans un seul sens, sens anti-horaire. Ça le dit dans le sens contraire à Zégumont. Soleil a tout à virer dans le sens anti-horaire ça a tout. Attention, faut pas confondre mouvement orbital là autour Soleil là avec mouvement rotation que Bertio a fait les a virer sous axio parce que même si rotation fait tout dans le sens anti-horaire même j'ai axe Soleil là, gain exception pour deux planètes, Vénus et Uranus qui fait rotation yo dans le sens horaire. Toujours nous comparer orbite de planète système solaire, astronomes ont remarqué que toutes les 8 n'ont presque même plan orbital. Inclinaison orbitale yo petit en pile, pas gain une qui dépasse 7 degrés. Astronomes ont expliqué ça pour le fait que toutes planètes ont été formées dans une même disque protoplanétaire. Ils ont remarqué tout que sauf pour Mercure, excentricité orbite yo petit. Ça veut dire même si orbite yo pas gain forme nette, yo pas trop destiré parce que ça. Bon, orbite planète Mercure presque won net ni même. Deuxième propriété n'a pour dans quatre planétologies comparatives ça, c'est grosseur planète qui dans système solaire noir. Astronomes ont utilisé loi physique pour étudier plusieurs grandeurs yo pas qu'à mesurer directement. Grosseur yon planète c'est une là-dedans yo, une dans sept propriétés que nous ca retrouver en principe dans chaque dans huit planètes ça yo. C'est grâce à la technique mesure et à connaissance sous distance que yo ka mesurer taille réelle en planète. Toute planète yo pa gen même grosseur. Nous mesurer diamètre réel yo, astronomes yo rivé classer yo dans trois groupes: planète tellurique, planète qui fait à gaz et planète qui fait à glace. Tellurique yo c'est planète qui pi en dedans dans système solaire. Mercure, Vénus, Terre et Mars. Planète qui fait à gaz, c'est Jupiter et Saturne. Et ça qui fait à glace, c'est Uranus et Neptune. Planète tellurique, pipiti longtemps devant l'autre. Par exemple, Jupiter fait 11 fois la Terre, alors que Mercure fait un tiers la Terre seulement. Troisième propriété, n'a pas une carte planétologique comparative ça. C'est masse planète yo. Ça veut dire quantité matière qui est rassemblée pour former. Attention, pour ne pas confondre grosseur, nous faisons ce truc-là avec masse. Astronomes ont arrivé à mesurer masse d'une planète grâce à l'analyse période ou soit temps un satellite naturel prend pour l'orbiter. Comme ça, tout, si la planète n'a pas gagné la ligne, dans le temps moderne, nous avons analysé l'effet gravitationnel de la planète. Ça, sous yon sonde spatiale qui a passé bon côté. Tout ça, c'est grâce à la troisième loi qui plaît, yon poto garçon qui te participé dans la baie astronomie bon Jean Jarret dans le 16e siècle là. C'est comme ça nous pouvons comprendre que planète qui sont en dedans dans le système solaire, c'est eux qui gagnent plus petit masse, en plus que eux plus petit tout, je ne te dis pas l'heure. C'est planète Jupiter qui gagne plus masse, parmi toutes planètes yo. Li gen 318 fois masse la Terre. Quant à Uranus et Neptune, yo classé comme planète ak masse intermédiaire. Quatrième propriété n'a pas une carte planétologie comparative ça,
c'est masse volumique. C'est un bagage qui lié à composition planète là et yo considérer masse volumique moyenne nan pito. Yon propriété qui quelque monde t'a voulu prendre par abus de langage pour densité, mais c'est pas exactement même bagage. Densité a c'est à plus tu en comparaison masse volumique là ak masse volumique de l'eau liquide. En gros, masse volumique moyenne c'est un rapport masse sous volume planète là. Planète tellurique yo gen masse volumique moyenne qui wo par rapport à l'eau liquide. La Terre par exemple gen une masse volumique de 5520 kg par mètre cube parce que si tout en dedans gen fer ak nickel élément chimique qui lou. Masse volumique moyenne Saturne pi piti ki pa l'eau liquide qui donc généralement yo kon di que si ou ta mette planète sa nan yon piscine qui ta assez gros pour se voile. Planète a flotté sous l'eau piscine tant qu'il y a un blade qui gonfle avec vent. De toute façon, Jupiter et Saturne ont une composition hydrogène et hélium. Uranus et Neptune, bon côté par eux, ils ont un pile d'eau et ammoniac en plus de hydrogène et hélium. Et, quatre planètes sans eux, ils ont classé comme planètes joviennes, ils ont un pile par rapport à la Terre. Cinquième propriété n'a pour une carte planétologique comparative ça c'est spectroscopie qui donc grâce à spectroscopie hein, nous ca analyser et comparer planète géante système solaire noir nous ca examiner et connaître ça sous surface planète tellurique et tout tant que nous confirmer gain fait sous masse comme ça nous ca gain une vue globale sur toute planète yo. Sixième propriété n'a pour une carte planétologique comparative là, c'est albédo. Nous connaissons tout corps soit par lumière, soit réfléchit lumière le recevoir. Exception pour corps noir, nous connaissons qui pas quitter lumière soit dit tout. Mais dans corps qui réfléchit lumière, il gagne une quantité li absorbé et si reste là li réfléchit dans l'espace. Selon quantité lumière li réfléchit par rapport à quantité lumière li te recevoir. Astronomes ont exprimé ça en un ratio qui est albédo. Li ka rive à 100% si quoi réfléchit toute lumière solaire la rive sou li. Comme ça tout, li ka réfléchi yon partie seulement. Par exemple, la Terre gen albédo qui égal à 30%, la Lune nan 12% et Vénus 65%. Déjà là, comparaison ça après fait nous comprendre que Vénus gen yon ti différence ak l'autre tellurique yo. Li gen yon atmosphère qui pwese en pile ka réfléchi pi fort nan lumière soleil la ki rive sou li. Septième et dernière propriété nan pou nan carte planétologie comparative ça, c'est la lune yon planète gagné. Planète yo gen pi plus la lune que planète tellurique yo. C'est pas dizaine on compte la lune planète géante yo que gazeuse ou soit glacée. Bon côté tellurique yo, c'est celle-là Terre qui gagne une et Mars qui gagne deux. Mercure et Vénus pas gagne. En tout, à ce moment-là, il veut confirmer 205 la lune autour planète yo. C'est Saturne qui gagne pi plus 82. Jupiter gagne 79, Uranus 27. Et Neptune 14. Astronomes ont classé la lune autour en régulière ou soit irrégulière selon que y a orbité planète là dans sens prograde sous plan équatorial là ou pas. La lune qui irrégulière au contour un astéroïde qui planète là t'est capté bien avant ça. Nous sortons ensemble cette propriété dans cadre planétologie comparative. Lorsqu'on considère cette propriété ça yo, ou ka comprendre ça qui dans système solaire en gros et après ou ka aller chercher détails pour chaque. Merci d'escouter et t'attendre jusqu'à la fin. Non pas c'est Captain Astro, un astronome professionnel dans Société Haïtienne d'Astronomie. De pour gain question sous ça sous tendez là, ou soit sur le sujet astronomie, pas hésiter quitter commenter. Écris-moi sur les réseaux sociaux ou soit email ou qu'à téléphoner tout dans 509 38 40 77 75 ou bien détail dans description épisode ça en bas. Si vous appréciez épisode ça et si vous voulez aider nous
Ou ka fèl pa mon kaj sou menm nimerou sa 509 38 40 77 75. Nenpòt sa liye, internet piti, nap kontan e nou remersye ou deja. Pa bliye abone ou, like ak pataje pou nou sa fè astronomi an kreyòl jwenn plis moun nan kay. A bientôt.